Hola! Oh là, et bienvenue dans la suite de nos aventures avec Bully. Donc, oui, on était censé reprendre les cours suite au plantage de la dernière fois. Mon chien, il va pas péter un câble quand même. Et du coup, le cours, on l'a validé. Donc, on va aller se faire une petite quête. Une petite quéquette. En fait, c'est le mien ou c'est un autre? Ça a pas l'air d'être le mien en fait. Parce que oui, tous les petits chiens tout pourris ont la même voix. J'ai vraiment un doute, excusez-moi, je vais regarder 2 secondes. Parce que si c'est lui, il est capable de couiner pendant un quart d'heure et faire chier tous les voisins. C'est pas le mien. Les deux miens, ils gardent le portail. C'est des bons chiens. J'ai un bon chien protecteur. Ça, c'est cool. L'autre, c'est une petite merde. D'ailleurs, je veux pas dire que j'ai la science infuse, mais je vais vous faire une petite anecdote de un qui m'amène à des petites conclusions. Nanana. Donc, on va d'abord regarder la vidéo. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Et après, je vous explique. Oh, Hopkins, good to see you. Make it quick, Ernest. Now, as our new leader, I have something I need you to do for me. What? I mean, look, do you want to take down the jocks or what? Of course I do. Yes, well, I have a plan. Okay, what is it? Well, what I need are some inappropriate pictures of someone they care about. Mmh, you want on va faire des pictures? photos Yes, nues. it's a Oh. complicated plan, all right. I need some naughty pictures of that Mandy Ah girl. là I'm là là sure you là. do, but what has that Il y a got une to do with cochonne dans l'école et je la connais pas. this is Ah si, purely c'est for the peut-être l'autre que purposes j'ai of déjà the embrassée là. plan. I'm not like Celle that at qui all. You sortait want avec les... incriminating pictures of the head Merde, comment cheerleader s'appelle les just for your Panjo? plan. The kind of pictures that could land me in jail or worse. Non, ça It's ne peut not pas t'envoyer easy en being the prison. boss. Quesada, ça Man, peut this l'envoyer better en be prison. good. Toi, ça ne peut pas. Tu es encore mineur. Profites-en. Mais oui, expérience que j'ai eue avec les chiens et tout. Il s'avère que depuis que je suis gosse, j'ai toujours eu 2 chiens. 2 chiens, donc pourquoi 2? Parce que voilà, j'ai eu la chance de vivre dans une maison et on s'est toujours dit, bah voilà, quand on part travailler et tout, c'est bien qu'il soit 2, qui s'ennuie pas trop, qui démoralise pas, tu vois. Faut pas que... Parce qu'un chien, ça peut déprimer. Hein. Sachez-le, nanana, ça peut être bien malheureux. Et le truc, c'est que à un moment, c'est con, on a toujours eu un gros chien, qui est plus ou moins chien de garde, chien de protecteur, le truc, tu passes pas le portail s'il commence à grogner, quoi. Et un petit chien, et ben c'est triste à dire, mais même les dresseurs vous le diront, un gros chien, ça n'a pas forcément peur, ça s'éduque, c'est très sympa, c'est très patoun, c'est... C'est génial, moi j'adore les gros chiens. Et souvent, on prenait un petit chien pour lui tenir compagnie. Et bien sûr, mon frère qui ne vit plus ici, qui a toujours eu des bons goûts et tout, pour choisir de la merde, faut dire ce qui est, nous a ramené une petite saloperie qui ressemble à, entre, on va dire, un Yorkshire, un Teckel, ces bâtards, nanana. Mais c'est les trucs qui sont toujours hyper actifs, nerveux, totalement con, mais en mode s'il peut vous faire une connerie, il va vous faire une connerie, hein, même pas en le voulant, hein, c'est juste, c'est un chien craintif, con, qui sert à rien. Bon, après, je vais pas faire l'enculé non plus, j'aime mon chien, mais sachez-le, si un jour vous prenez des chiens, c'est souvent beaucoup plus, certes plus cher, parce qu'il faut dire ce qui est, en croquette, un gros chien. Mais le petit chien, il peut tellement vous bousiller, des meubles, vous pourrir la vie, nanana. Et c'est craintif, en fait. C'est une merde, un chien, une petite crevette. C'est comme si vous mettiez, comment dire, un abo
1m50 hargneux à côté d'un gros lard de 2 mètres. J'ai envie de dire, le gros lard en général il va jamais se sentir menacé ou quoi que ce soit, quoi. Mais le nabo va toujours être plus hargneux. Mais c'est dingue, hein. Après, je compare souvent les gens et les chiens. Ah oui, ok, la meuf elle va carrément surveiller. Oui, mais moi comment j'y vais si vous restez là, madame? Vous voulez pas vous barrer? Et oh, je le vois votre radar. Hein. Ah, ça c'est un coup, est-ce qu'elle se retourne d'un coup? Tu sais pas pourquoi. Hop, 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 hop. Et du coup. Olé! Mais dis donc, c'est sacrément cochon comme photo. Mais c'est pour ça, j'ai envie de dire, mon gros chien, limite, il y a quelqu'un qui va passer, il va faire deux gros ouf ouf, vous allez vous chier dessus. Vous allez passer votre chemin. Lui, il va rester pendant un quart d'heure à style, je suis impressionnant, mais. À croire qu'il est pas conscient, le truc qui fait, je sais pas, 20 cm pour 4 kilos tout mouillé. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Eh ben, pour des photos cochonnes, je m'attendais à bien pire, honnêtement. Là, je suis un peu déçu. Je vois pas ce que. On n'a pas la même notion de cochon. Nanana. Tiens, on peut sortir ou on peut pas? Ouais, j'allais dire. J'ai l'impression qu'il y avait qu'une fenêtre ou je sais pas quoi. Un tableau au lieu de la fenêtre. Et puis, certes, s'il y a des chiens qui sont déjà montrés agressifs, on a tous vu. Moi, c'est vrai que j'aurais très peu confiance en des staffs et tout. Mais après, c'est encore une autre raison et tout. Franchement, je crois pouvoir dire que je me sens plus en confiance à côté d'un gros chien qui est posé à côté de moi que d'un petit chien nerveux. À chaque fois que j'ai vu un chien mort, de toute façon, c'était un petit caniche, une petite merde, une petite saloperie, quoi. Et par contre, alors que j'étais entouré de boxers, de boxers, de rottes et de trucs comme ça, par le reste de ma famille, limite que tu les poussais, ils te regardaient, mais qu'est-ce que tu veux? Ils en avaient rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils étaient rigolos. Par exemple, ma grand-mère qui avait tenu un bar pendant une petite période, nanana, ça lui faisait plaisir, elle a fait un peu ça avant sa retraite. C'est du genre. Elle a fait un boxeur dans son établissement. Et c'est. Même si c'était la grosse patoune qui faisait que se déplacer, nanana, il était pas chiant. Le seul truc qui était casse-couille, c'est qu'il fallait pas qu'il ait mangé avant. Parce que les boxeurs, selon ce que ça mange, si vous ne nourrissez pas aux croquettes, ça bave. Et ça, j'ai envie de dire, le truc qui est à votre hauteur, qui se met à côté de vous, qui vous regarde, et d'un coup qui pose sa grosse tête sur votre cuisse, vous voyez les gros filets de bave dégueulasses. Et tu te dis, bon, ben, il va falloir les changer, sinon on va croire que tu t'es juté dessus. Mais quelqu'un aurait levé la voix dans son café ou quoi que ce soit. Le chien aurait direct dressé une oreille. Et qui dit dresser une oreille, il dit qu'il va se lever, et s'il se lève, vaut mieux pas qu'il bouge. Toujours cours fini, non, pas fini? Alors c'est cours de quoi ça? Ça va être quoi? Cours d'anglais? Bon, on se prépare à tricher comme d'habitude. Parce que hein, leur cours, déjà, on a vu le gros doute la dernière fois, est-ce que leur anglais c'est de l'anglais? Parce qu'il y avait des mots français, il y avait des mots espagnols, il y avait de tout. Alors, j'avais dû prendre une photo, il me semble, j'avais dû prendre une photo anglais, voilà. Et là, quand je regarde les trucs, putain, mais non, mais. Non, j'aurais jamais trouvé, c'est impossible, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, on va enlever. Merde, je suis con, faut que j'enlève la limite, moi. Oh! Ah, excusez-moi, c'est de la préparation. Mais non, mais casse-toi, toi aussi. Les gars, ils m'agressent, je suis simplement là, à un moment. Là, écran de verrouillage. Non, c'est pas ça, déjà, c'est affichage. Affichage fond d'écran. Écran de verrouillage, on va mettre 2 minutes, sinon je vais devoir leur mettre toutes les 10 secondes et ça va me saouler.
Hop, on va fermer tout ça, ça sert à rien. Galerie, nanana. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué. Hop, hop, voilà, et on va le foutre là. Alors. Non, monsieur, je vais vous tabasser pour aller en cours. Donc, on va commencer par des Looks like trucs, it's time mais. for the second assignment. If you finish C'est before that, I'll n'importe let you quoi. go early. Alors, on commence pour moi avec le mot. De toute façon, je vais faire dans l'ordre, nana. On va juste. Volcan. I don't think Mais that's a oh, mais j'ai condition. pas validé. Commence Try pas à faire. again. Oh ok, on va utiliser ces touches-là, sinon. Un. Volcan. Pour moi, déjà, j'aurais dit en anglais volcano. Good Je sais pas show. pourquoi. Ensuite, clona. Alors, moi, je connais clone en français. Je savais pas que ça se disait clona en anglais, That's mais right. ok. Vocal, vocal pour moi, ça c'est une fois de plus du français, chat Well vocal. done. Ben après, chat ça se dit aussi. Econ, je sais pas du tout ce que c'est. Pour moi, j'aurais mis un K au lieu du C et ça Good aurait été one. un chanteur. Clan, clan, ok, clan, pareil, français, anglais, j'en sais rien, personne ne sait, on Keep it s'en bat up. les couilles. Cola, cola c'est une marque, ce n'est pas un mot, j'aurais même pas été sûr que ça Good passe. one. Alors, love. Mais putain, mais c'est love. À un moment, c'est quoi ces trucs? Love. Ça veut rien dire, love. Good one. Alors, Noka, Nova, allez, on est parti, hein. Noka. Je sais Good pas ce one. que ça veut dire. Nova, pour moi, les Nova, c'est les trucs de l'espace. Une Nova, enfin, un Good truc one. comme ça. Vlan. Vlan. Alors, pour moi, c'est même plus un mot. C'est un son. Vlan dans les dents. Ça, c'est Good le truc one. que tu vois dans les BD, comment on dit déjà? Onomatopée, je sais plus. Voilà. Voilà, ok, pourquoi pas, voilà. En Good fait, one. si t'es pas un expert là-dedans, faut vraiment mettre des mots au hasard. Cal, allez, Good one. pourquoi pas. Lac, dame du lac, comment ils disent déjà dame du lac Good one. en anglais, je sais plus. Col. Oui, pourquoi pas, allez, on est plus à Good ça one. près. Veuillez vous rallumer, s'il vous plaît, con. Je l'ai pas encore fait, con. Je pensais que j'avais fait. Bon, ben, c'est Good con. one. Là-haut. Je connais le Laos, mais là-haut comme ça, non, Good one. là-haut, ok. Oh là, je suis désolé, c'est pas de l'anglais. Good one. Once. Ah, ça, une once? Peut-être Good c'est one. pas un truc de poids ou je sais plus quoi, une once. Val. Je sais pas, le Valhalla, nique ta mère, Val d'Urique. Good one. Vran, ça c'est pas de l'allemand carrément. Mince. Vran quelque chose. Good one. Enfin, même en ayant les mots devant moi, faut les taper hein, pour tous les avoir. Et vol, Good one. merci. Ah, you have to make use of a poet laureate, James. Franchement, je serais curieux de savoir le taux de gens qui ont réussi ce cours sans tricher. Alors là, This whole school is rotten to the parce que les autres, géographie et tout, ok, certes, parfois t'as un petit trou, core. I hate nanana. this, now I have to hit you. Cool. Step back. Qu'est-ce que tu veux? Don't hurt me, please don't. Damn, I'm good. There was never any doubt. Ok, j'ai plus d'insultes qu'avant, c'est ça le truc? Ok. Ben du coup, on va essayer une autre quête, sauvegarder, oui. Alors ça nous fait monter à combien? 44? On n'est même pas à la moitié du jeu, hein, c'est chaud. Hein. Après c'est vrai qu'avec tous les plantages pour vous, ça doit paraître moins long. Enfin, toutes les vidéos que j'ai finalement dû recommencer, nanani, nanana. Bah merde, l'évasion de Galloway, pourquoi ils me mettent ça à l'intérieur? Il y a une quête à l'intérieur? Ah, il y a une quête à l'intérieur, allez. Ou aider un prof. Mais ouais, c'est vrai que vous devez avoir moins de temps effectif sur le jeu que moi, ouais. Hey, Je devrais Miss déjà être à Phelps. plus de 70% pour moi. Hey, Jimmy. So what really happened to Mr. Galloway? Where did he go? It's a sad story, but
On vous êtes bourré la gueule à deux et t'as eu l'alcool triste. Get upset, they respond in the wrong ways and well, small problems get bigger and that's. Et alors du coup tu te rabats sur moi, on va peut-être pouvoir enfin se faire un petit câlin, ma Miss, I'm not five. My mom's been married five times and I've been expelled from seven. Ma mère était une salope. Et elle n'arrivait jamais à récupérer la part du magot. Stupid man couldn't control himself. Damn him. Mais tu le savais avant de sortir avec lui, tout le monde savait. Love him. But that wretched ogre Hattrick guilt-tripped him into committing himself into the asylum to get dried out. If only someone could get in there and tell him to get out, I'll take care of him. Why don't you go? Non, c'est mignon. Bon, c'est très con, mais c'est mignon. Said I was a bad influence. Don't you worry, miss. I'll get him out. Okay. Bah, il faut remplacer une addiction par une autre. Donc, à moins que tu sois prête à forniquer toute la journée, yes, Miss Phillips. Il y a pas de fortes chances qu'il continue It's à picoler. Miss, not miss. Oh, right. Je suis une demoiselle. Et ouais, ça c'est des trucs qu'aujourd'hui vous pouvez peut-être plus dire. Hein. Avant ça se disait, et mademoiselle. Et mademoiselle, pas besoin d'être un gros relou, mais mademoiselle, vous êtes fort charmante. Alors qu'aujourd'hui, vous dites juste mademoiselle, c'est pas français, c'est madame, hein, connasse. Oda! Sale bête. Où je vais en fait, je retourne encore à la maison. Où est-ce qu'il bah, où est-ce qu'ils veulent me faire passer? C'est quoi ça en dehors de l'école ça? C'est quoi ce bordel? Nouveau chemin? Oh là. Bah ouais, qu'est-ce que je fais ici? Ah du coup c'est enfin ouvert? Oui! Les nouveaux passages, putain, c'est des passages que je voyais depuis un certain temps, mais ils étaient jamais ouverts. Du coup, c'est quoi, c'est pour un bâtiment ou il y a carrément un nouveau quartier, c'est quoi ce truc? Bienvenue chez les fous, parce que nous sommes... Non, oh putain, oh, j'ai cru que ça allait encore planter. La voiture, elle s'est fixée à un moment, elle s'est arrêtée cul sec, une nette. Ah. Du coup, j'ai pas fait gaffe. Faut faire quoi? Excuse-moi, mais j'ai eu tellement peur. Trouver comment entrer dans l'asile. Bon, déjà, il y a une porte. Je peux très bien tous les tabasser. Oh, il y a un chemin. Je pense qu'il faut prendre le chemin. J'avais oublié qu'on était dans un jeu des années 90, à un moment... Enfin, des années 2000. À un moment, c'est un peu dirigiste. Tu vois un chemin, tu prends, bah voilà, t'as un point jaune autour de l'arbre, et bah voilà. Rien de caché, quitte à faire, non, rien, rien. Ah. Oda! Prochaine étape, je vais être obligé de descendre, fais chier, parce qu'il me casse. Qui c'est que ça? Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Je comprends qu'on t'a enfermé, quand on te voit courir, on comprend. Ok, mais je vais aller où? C'est bien, il doit pas me voir, mais je vais aller où? Ah mais chez... Que faire? Je peux passer par là, non? Je te suis. Peut-être en étant baissé, je sais pas, non. Putain, je suis au milieu de tous les sans-lapis. Oh là 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 là, je sais vraiment pas comment je vais faire là-dedans. Oh là 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 là. Passe au-dessus, non? Hop, rabaisse-toi, voilà. Vas-y, relève-toi, on essaie de faire en express, c'est là. Eh, faut faire quoi à un moment? Mais non, mais fallait faire quoi avec ce putain de truc? T'es marrant aussi.
Ok, on va recommencer, trop. Rentrer dans l'asile. Faut aller jusque là, mais faut en faire quoi de ce truc? Faut le péter, faut l'activer, faut quoi? Parce que s'il faut le péter, je peux peut-être le faire au lance-pierre ou j'en sais rien, mais... Non, j'aime pas, faut me dire les trucs que je dois faire. C'est tout ce que je demande. Je vous demande pas de me trouver la solution forcément au nanana. À un moment que ce soit clair quand même, les gars. Allez, descends, j'en sais rien. Ah putain. Allez, qu'est-ce que tu me fais? Intrusion, intrusion. Mais baisse-toi, putain, il y a des fois il se baisse tout seul, il veut pas se relever, il y a des fois il veut pas se baisser. Oh. J'irai bien derrière cette cabane pour voir ce qu'il faut faire. Regardez là par exemple, relève-toi, voilà, merci, arrête de regarder derrière toi, trou de balle. Donc s'il y a une échelle, ça ne doit pas être pour rien. Ok. Et à partir de là, moi honnêtement, j'aurais bien explosé. Pas de conneries. Alors là, en plus, c'est rouge. Voilà. Voilà. Allez, enlève ton mode visé. Enlève ton mode visé. Enlève ton mode visé. Parce que maintenant, oui, aussi, il y a un double mode visé. Donc, vous pouvez recommencer 10 fois. Hein. Allez, spring. Allez, hop. Oh, putain. En forcing. En forcing. Putain, mais c'est un vrai jeu d'horreur! Ok. Tum. Ça c'est bien qu'on puisse ouvrir les portes quand... Ah et on peut aussi accélérer quand... Ah je savais pas ça, on peut accélérer pendant... C'est quoi, c'est les cachettes je présume? Tadadadada. Oh, il y avait de la bagarre à côté, j'ai pas voulu aller voir, il y avait de la bagarre. Donc c'est ça les... Ah non, ouais, c'est vrai qu'il est en asile, il est pas en cure de désintox, quoi. Oh. Hi, Jimmy. J'ai des allumes maintenant, tout va bien. Miss Phillips sent me. She's really worried about you. Come on, let's get out of here. Bon, elle est mignonne. I can't. Right now, Jimmy. I'm late for my regression therapy as it is. It's fantastic. I've discovered thérapie I really régressive. Do hate myself. Hadwick was right. I am. C'est-à-dire qu'on essaie no, de te faire not. Revenir dans Don't le temps jusqu'à ce que tu te rappelles que tu buvais pas ou. Okay, Jimmy. On t'efface la mémoire, c'est quoi cette thérapie régressive? On te fait revenir en enfance? Ah bah... Oh là là, recouvert de poussière de merde dégueulasse et tout. Galéchérie! Eh, vous voulez pas m'emmener à l'école? C'est bien cool, je vous ai aidé, mais on repart au même endroit. À moins que vous alliez à l'hôtel direct pour baiser, mais... Bon bah... Ça veut dire qu'ils ont fait ce chemin, tout ça, juste pour l'asile? Beau gosse. Beau gosse. Oui. Oups. Oh là là. Hein? Bah, j'étais pas passé par là? Passé... Ah non, j'avais pris des petits chemins, ça va. Mais du coup, je l'ai pas vu le... Ah ouais, il est bien plus haut. Il doit être juste là. Bah merde alors, comment je rentre? C'était à coller à... Bah... Par où que je suis venu? Par où que je me barre? Y a pas un arrêt de bus, s'il vous plaît? Sinon, moi, je vais me faire choper par eux, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Y'a pas d'autre chemin, bah. Et ouais, je peux grimper, ouais, je vais essayer de me faire choper par quelqu'un, les bastas. Ah,
Quoique, si je me fais choper par quelqu'un, à tous les coups, il va me ramener devant... Vas-y, passe. Monsieur, je suis perdu. Bonjour. Bonjour. Et du coup, vous allez m'amener en désintox, vous avez le droit? Où est-ce que vous m'emmenez, monsieur? Oh bah voilà, nickel, police, bus, et voilà. Et voilà. Enfin, quoique, il y a peut-être un autre endroit où sauvegarder pour aller faire une quête en plus. Alors, on va voir où est la quête, on va voir si la sauvegarde est sur le chemin. Comme d'habitude, si on peut trouver un vélo, on prendra, ça coûte rien. C'est sur le chemin. Oh les mon gros, ça faisait longtemps. Oui. Ouais, non, je vais pas prendre de temps, même si c'est pour la vie, tant pis. J'ai décidé d'arrêter le libertinage et je ne vais rester qu'avec ma rousse sans âme. Parce que rien de tel que la fidélité... Oh! Bah putain, t'es resté moins d'une seconde, quête secondaire de merde. C'est moi ou il vient d'essayer de me courser pour me tabasser? Et du coup, c'est où la quête? On va encore retourner chez un télo? Ah, ils y vont pas du dos de la main morte! L'eau de la cuillère! Bon, ils sont mignons, les petits amoureux, les petits nabos. Bah non, c'est encore plus loin. Bon, bah. Bon, c'est là où c'est. Putain, c'est chiant quand ils mettent des quêtes. Ça, en fait, c'est encore chez un télo. Mais de l'autre côté du terrain. Voilà, bah oui, parce qu'on n'a pas de carte, t'es obligé de venir là pour dire ah, je vais pas faire 3 fois le tour. Hein, nanana, et bah finalement, tu fais 3 fois le tour. Une carte, les gens. Si vous inventez un jeu, foutez une carte. Ah, ils m'en veulent tous, les bâtards. Au moins maintenant je me refais pas tout le tour comme la première fois, nanana. Aurais-je le temps de faire une caquette? Défenseur du château, c'est moi qui contrôle les lance-patates. Oh, here he is, Mr. Big. Oh, can't you just get lost? Or help, ça me fait penser à Kidding. Come on, muscles. Je vais t'appeler Monsieur P. What are you talking about? The jocks Big are coming. P. Big Pussy. Thanks to you and your sordid little pictures. Ah, mais c'était ton plan. You're the sicko. En plus. Healthy interest in sexual matters is natural during puberty, bud. That's why I was having those dreams. Anyway, this is not important right now. Après, c'est vrai que c'est une autre époque, hein. About to die. We all une époque où t'avais un magazine de lingerie. Oh, il y avait du rêve. Broken, okay? Can't you fix it? Aujourd'hui, hein, les jeunes. We have porno. Internet, dead. Bravo. Belle mentalité. I love you, my friend. Look, you fix it, I'll hold up the jocks. Now where's that gun thing? Get out here. Exactement. Ready for you, nerds. Doomed. These feelings are natural. On dirait vraiment une arme du futur, leur lance-patate. Just go fix the defense system and I'll take care of the goons. Come on, you wimps. We're coming to get, get you, sickos. Sickos. Et ben du coup, en fait, finalement, j'aurais peut-être dû reprendre de la vie. Merde. Ah, l'assaut! Non, lui, il est avec nous, ok. Ceux-là, ils sont avec nous, ok, ok. Allez, visez, visez. Ok, il n'y a pas besoin de charger, ça, c'est bien. En fait, c'est ça qui faisait peut-être que... Ok. Tchoum.
Ok, maintenant on change d'arme si c'est comme ça. Allez, allez, allez. J'ai plus de fusée. Merde, merde, je pensais au moins que... Merde, merde, ramasse, ramasse. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Vise, vise, voilà, hop. Du coup, ils sont passés par où, les méchants? Les vilains pas beaux, les vilains pas beaux. Ouais, j'ai au moins des pétards, ok. Faut que je revienne vers la maison, faut que je revienne vers où, en fait? C'était plus loin, mon avant. Encore un truc que j'aurais su s'il y avait une... Putain. Canon à patate, canon à patate. De toute façon, j'ai balle infinie, je présume. Je peux tirer que d'un côté. Alors les gars, fais-moi les malins. Ah, ils avancent bien quand même. Et veuillez prendre un peu plus quand même, hein. Oh bah ça va, si vous voulez tous passer là, moi ça me va. Hein. Et là les gars, violence. Violence. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup moins violent que les Game of Thrones que je suis en train de me refaire, mais... D'ailleurs, il y a des traductions, je me demande comment on en a pu arriver. De Game of Thrones à Trône de Fer. Parce que le jeu des trônes et le trône de fer, ça suit, hein, mais... Je sais pas, il y a des traductions, parfois, je ne comprendrai jamais. C'est comme, il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est que, je sais pas, la traduction des prénoms. Parce que j'ai envie de dire, oui, que Florian... vas-y, lâche ton vrai prénom, le mec, il s'énerve et il... Mais que le gars, allez, on va dire que Thomas devienne Thomas, que Florian devienne Florian, que Dorian devienne Dorian, ou des trucs comme ça. Je dis pas, mais comment Pierre a pu devenir Peter? Et encore un plantage, ça faisait longtemps! Et bien, comme d'habitude, je vais me refaire la quête, bien sûr, et j'arrêterai là pour aujourd'hui. En fait, vous le savez pas, mais en gros, aujourd'hui, j'ai enregistré deux vidéos, mais j'ai eu tellement de plantage que, à la base, j'en ai tourné cinq de vidéos. Mais il y en a encore trois qui vont finir à la poubelle. Bah voilà. Donc, comme d'hab, en espérant que ça vous aura plu, vous savez quoi faire, et moi, malgré que la vidéo se termine, je vais aller me refaire une fois de plus la quête pour pouvoir sauvegarder et qu'on puisse avancer dans l'aventure la prochaine fois. Ah, c'est tourpeau, hein. Allez, des bisous. J'espère au moins que vous kiffez. À bientôt.